Retour de l'FC pour la troisième et dernière partie avec bien sûr notre invité Hicham Gabriel Guedira, directeur de l'Arsenal Soccer School, nos éditorialistes Saïd Afizi et bien entendu M. Sami Bourchtabi. La question de l'FC, selon vous, est-ce que les pays africains qualifiés pour le mondial ont des arguments à faire valoir? Vous n'hésitez pas, vos réponses sur fc@africa24tv.com. Bon, messieurs, nous allons passer maintenant à un autre sujet. Nous allons retrouver notre invité, M. Hicham Gabriel Guedira, que nous avons vraiment un grand plaisir à recevoir ici et qui va nous parler justement de l'Arsenal Soccer School. Alors, pourquoi justement cette académie est basée du côté du Maroc? Alors, parce qu'il y a le nom Arsenal. Arsenal, on aurait pu Arsenal retrouver. Arsenal Soccer School a été lancé en juin 2010 à Casablanca et fait partie d'un projet de Arsenal FC à travers la région MENA, Middle East et Afrique du Nord. Les premières écoles d'Arsenal Soccer School ont été lancées il y a 25 ans dans quelques pays à travers le monde. Et puis, il y a eu cette volonté de conquérir la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient. Donc, 2009, lancement d'une école à Bahreïn, d'une école à Dubaï avec sponsor officiel Fly Emirates, qui est aussi le sponsor du club et du stade de Arsenal. Donc ensuite, il y a eu cette volonté donc de nous venir au Maghreb. Photos que vous pouvez nous commenter. Exactement. Aussi donc il y a eu l'inauguration avec Marouane Chamakh, qui était présent à l'inauguration, le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, Monsieur Monsef Belkhiat, qui était également à cette ouverture. Donc c'était une première au Maroc, un club européen qui vient s'installer pour faire de la préformation et le lancement d'écoles de football sur le territoire marocain. Alors, quel est le but de cet établissement, justement? C'est de former des jeunes et les envoyer après à Arsenal directement ou dans d'autres clubs? Ça peut être nous, on est sur la phase école de football, préformation. On essaie, en fait, d'allier football-loisir pour les enfants qui souhaitent pratiquer le football comme loisir, et puis aussi donner la chance à ceux qui ont vraiment un potentiel pour devenir des joueurs professionnels. Donc on a, on va dire, 80% des joueurs qui viennent sont là pour apprendre le football, pour apprendre les valeurs du club de Arsenal, et puis on a 20% qui ont une capacité à aller plus loin dans le milieu du football professionnel et que notre staff technique juge bon pour intégrer des académies ou centres de formation de plus haut niveau. Donc on a effectivement quelques joueurs qui ont intégré des centres de formation européens, on a des joueurs qui intègrent des clubs au Maroc. L'idée, c'est vraiment faire tout ce travail ou plutôt remplir le vide qui est laissé, on va dire, par les clubs marocains au niveau des écoles de football et de la préformation. Donc il y a une grosse demande sur Casablanca, il y a à peu près 500 enfants qui viennent chaque semaine sur le centre d'entraînement de Arsenal à Casablanca. Il y a les techniciens, ce sont des Marocains? Alors, des Européens, des Anglais particulièrement? Tous les techniciens sont anglais. Les séances d'entraînement sont dispensées en anglais avec des entraîneurs assistants marocains qui sont traducteurs également. Donc on fait passer vraiment le message de Arsenal FC. On va dire le slogan, c'est « Play the Arsenal way ». On essaie d'inculquer vraiment les valeurs du club à cette jeunesse. Ce n'est pas seulement au niveau du football, c'est aussi l'attitude, le respect, les skills. Oui. Donc c'est pas mal de valeurs qu'on essaie d'inculquer à travers l'école de football à Casablanca. C'est cher pour y rentrer? Alors, ce sont des fils à papa qui rentrent là? Alors, comme j'ai dit, donc c'est un point en fait très important parce qu'on a une partie en fait des joueurs qui ont un potentiel. C'est des joueurs qui viennent le plus souvent, je vais dire, de quartiers défavorisés, mais on a également des joueurs qui viennent de milieux assez aisés et qui sont bons. Alors les joueurs qui viennent de quartiers défavorisés, on les prend en charge gratuitement. C'est des joueurs qui ont un potentiel, qu'on suit dans les quartiers. Ils ont une formation scolaire ou... Les deux. Alors, pas de formation scolaire, c'est des enfants qui viennent au centre pour le football et ils repartent chez eux. Donc, des cours théoriques, des cours de football
Quand je dis des cours théoriques, c'est des cours liés au football. Hein. Et ils repartent bien entendu chez Alors, eux. Alors comment faire pour entrer chez vous? Parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent un peu partout. Comment faire pour entrer chez vous? Alors, on a un site internet, c'est www.arsenalschool.ma. Donc, on peut répéter www.arsenalschool.ma. Mm-hmm. D'accord, donc on Emma, a. Emma. Emma. Point. Emma. Emma. Pardon. Emma. Okay. Voilà. Les spectateurs qui sont intéressés, bien sûr, peuvent prendre contact avec la direction du club. Et puis, on invite les joueurs à faire des essais au niveau du centre et on voit ensuite ce qu'on peut proposer. Est-ce qu'on part sur une formule de football loisir ou est-ce qu'on peut intégrer l'enfant dans le cursus, on va dire, pré-formation pour ensuite intégrer un centre de formation. Vous avez parlé de l'attitude à avoir et le respect aussi. C'est le leitmotiv. Hein. Oui, effectivement. Et si c'est pas respecté, c'est dehors. Exactement. Donc on est vraiment très très attaché à la discipline. On essaie vraiment d'encadrer ces joueurs. Ce qu'on peut voir aussi, malheureusement, le plus souvent en Afrique, c'est ce manque de respect en fait des valeurs du football. Il n'y a pas que l'Afrique, hein. Il y a un peu partout maintenant. Hein, c'est un petit peu partout, mais il y a un esprit, on va dire, qui est plus professionnel en Europe qu'en Afrique. Hein. Voilà, exactement. Il y a un manque de rigueur qu'on essaie, nous, à notre manière, avec le staff technique anglais venant de l'Académie d'Arsenal à Londres, d'inculquer à ses enfants. Avant de vous montrer un personnage assez particulier, il est originaire du Mali. Je vais demander à Saïd, peut-être si vous étiez plus jeune, Saïd, ça vous intéressera. Hein. Ça m'aurait intéressé, oui, effectivement. Le vide laissé, comme l'a très bien dit notre invité, le vide laissé par certains centres de formation au niveau de l'école de football, au niveau de la préformation, a été comblé sur cette région-là. Après, il y a des régions, notamment la région d'Agadir, etc., ou même dans d'autres pays où il n'y a pas grand-chose, effectivement, pour une jeunesse qui est très demandée. Il y a des Ivoiriens aussi, hein, qui vont dans cette école. Hein. Il y a des Sénégalais, il y a des Camerounais, il y a pas mal d'enfants du continent africain qui viennent spécialement pour Arsenal Soccer School au Maroc. J'ai vu que le Maroc s'ouvre un peu partout sur l'Afrique. Hein. Oui. Le Maroc, c'est vraiment un pays accueillant. Mais ils ont tout compris. C'est la meilleure attitude à faire. Et oui. J'ai vu le roi récemment du côté du Mali. Un peu partout. Oui, ils sont très proches de leur des pays frontaliers et des pays proches géographiquement du Maroc. Quoi. C'est vrai que. Mais surtout au niveau des infrastructures, là, qu'on est en termes d'infrastructures, il y a le stade de Tanger, le stade de Marrakech, le stade d'Agadir qui sont tout neufs, tout récents. Rabat aussi, effectivement. Et donc au niveau des infrastructures, on est bien. Par contre, en termes de fédération, bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Je vais dire. Et puis, vous voyez sur le plateau ce soir, le Maroc est en force. Parce qu'il y a trois Marocains, deux éditos et notre invité. Monsieur, je voudrais vous montrer une image. C'est un supporter malien qui suit son équipe un peu partout. Nous l'avons rencontré en région parisienne lors du match Mali-Sénégal. Écoutez ce qu'il nous dit. C'est vrai que je suis partout parce que je suis mon équipe, que ce soit en compétition normale, que ce soit en match amical. Je suis avec l'équipe du Mali pour encourager les joueurs, pour sensibiliser nos compatriotes de l'extérieur de sortir, soutenir notre équipe nationale. Surtout au moment où on sort de la guerre, c'est nécessaire qu'on soutienne notre équipe nationale. Voilà, merci. Hicham Gabriel Guedira, vous venez quand vous voulez nous voir, parce que c'est un plaisir pour nous de vous avoir accueilli. Merci. Je pense que nous aurons beaucoup de choses encore à nous dire. Merci pour l'invitation. Pour les téléspectateurs. Merci. Il n'y a pas de cas, c'est normal. Merci à Saïd et merci également à Samy. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous vous retrouvons bien entendu lundi prochain pour un autre numéro de l'AFC. Merci encore une fois pour votre fidélité. Et les programmes continuent, bien entendu, sur Africa 24. À très vite.